Bonsoir à tous, il est 17h et vous le voyez, je vous accueille dans un cadre idyllique et interdit pour le moment hein, puisque vous voyez que je suis au bord de la mer, sur la plage. Alors on va savoir hein, bientôt si les plages vont être réouvertes. Eh bien moi j'ai pris la décision de braver l'interdit. Alors, on parle de déconfinement à partir de lundi. Vous le savez. Donc, ma première question, elle s'adresse à vous, les auditeurs, les internautes. Qu'est-ce que vous voulez après le confinement? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on arrête les lives? Est-ce qu'on arrête les émissions? Est-ce que vous voulez qu'on continue à se donner des rendez-vous avec Guillaume Biojo, Lewis Wallace, avec Cyril Le Guazigo? Donc, mettez-moi dans la barre de commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Et surtout, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Puisque si on fait ces émissions, ce sont pour vous. Alors, vous le savez, ma marque de fabrique, c'est l'échange, le partage, l'interactivité. Donc, commencez dès maintenant à poser vos questions, à me laisser vos réactions, et puis vous le savez, à me mettre des pouces si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Les questions que vous allez pouvoir poser ce soir à mon invité, ce sont des questions qui vont être variées puisque il est aussi bien expert dans l'histoire du golf que dans la pédagogie, que le haut niveau, puisque l'invité de ce soir était responsable des jeunes du Pôle Espoir. Il était entraîneur de l'équipe de France à partir de 1991. Il a été reconnu au niveau européen, ce qui lui a valu d'être distingué de la Five Stars Golf Professional en 1996. Il a côtoyé les plus grands coachs du monde et il nous le racontera. Bob Tusky, John Jacobs, David Ledbetter. C'est un formateur passionné avec des convictions d'enseignement qu'il a exposé dans un livre. Et c'est aussi un expert donc de l'histoire du golf. Il est reconnu pour être un chercheur de nouveaux concepts d'apprentissage. Il aime transmettre et c'est ce qu'il va faire ce soir en répondant à vos questions. Accueillons dès maintenant François Berthet. Bonsoir François. Bonsoir Rémi. Bonsoir cher. Alors, est-ce que le portrait que je viens de faire de toi te ressemble ? Oui, en tout cas, ça a à voir avec les diverses expériences que j'ai vécues, bien sûr, mais et qui va faire l'objet du coup de la valeur sur laquelle on avait parlé toi et moi, c'est-à-dire les rencontres qui construisent un itinéraire professionnel ou personnel, qui sont si importantes et dont on s'enrichit pour devenir peut-être un jour un peu soi-même. Alors, je l'ai dit, tu as plusieurs facettes et on va essayer ce soir, dans l'heure qui nous est impartie, de te faire découvrir au plus grand nombre. Je le disais, tu as écrit un livre, donc il y a peu de Français quand même qui ont écrit des livres de golf. Le tien est passionnant. Je vais le montrer hop à l'écran. Et puis après, hein, je montrerai aussi quelques photos. Ce livre, c'est ta conception pédagogique qui s'appelle « La pédagogie de l'expérimentation ». Le principe, c'est de guider l'élève vers son autonomie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concept ? Alors, tout d'abord, je voudrais parler de la genèse du livre, c'est-à-dire la période. Donc, j'étais à Saint-Cloud et puis c'était une période où mon frère avait investi avec sa belle famille dans une propriété au Tremblay, autour du château du Tremblay. Et il avait l'intention de faire un golf. Et puis, il me tannait depuis un certain temps pour qu'on monte une académie. Une académie, ça suppose un environnement, un esprit, un outil. Donc, du coup, on a beaucoup échangé avec Robert sur la dimension practice, la dimension compact, pitch and putt. Du reste, Robert, qui est extrêmement créatif, a fait un pitch and putt tout à fait réussi, dont il peut être fier, car j'en ai pas vu tellement de ce calibre depuis que je voyage sur un certain nombre de golf, ou en tout cas dans la période où je voyageais beaucoup.
Et par conséquent, il y a aussi, c'est peut-être le plus important sur le plan pédagogique, il y a un concept technique ou pédagogique, technique et pédagogique d'ailleurs. Et finalement, je me sentais juste, c'était avant de rencontrer David Ledbetter, donc je ne sentais pas la carrure, les épaules pour me lancer dans une méthode qui aurait été dispensée par mes assistants. Par conséquent, j'ai réfléchi, bon, je ne trouvais pas trop d'idées, donc l'académie n'était pas encore lancée sur le plan structurel. Et un jour, c'est ça qui a déclenché le bouquin, dans le fond, c'est un élève qui m'a dit, écoutez, vous devriez écrire un livre. Je dis, ah oui, d'accord, écrire un livre. Et il dit, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais ça m'intéresserait professionnellement, dit-il. Alors, bon, je me suis lancé sur un début d'idée, c'est-à-dire m'est venue l'idée de la pédagogie, de faire de l'élève son propre professeur, donc un processus pédagogique qui donne l'impression, à un moment donné, à l'élève, lorsque. Alors, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que j'avais très peu d'expérience du cours collectif, donc je me posais cette question-là, parce que je savais que j'allais y être confronté. Et finalement, ce que je me suis dit, dans le fond, si on fait expérimenter à un groupe de golfeurs, on propose une expérience ou une autre, donc c'est la même expérience, mais par contre, dans le débriefing, il y aura certains qui vont dire, ah, moi, ça me convient, c'est formidable. Par contre, quelqu'un d'autre dira, bah non, moi, ça ne me convient pas du tout. Et à ce moment-là, le professeur sera dans son rôle d'expliquer pourquoi ça marche mieux ou bien ou pas bien. Alors, Donc, François, alors déjà, il y a un très grand nombre je les affiche hein, au fur et à mesure. Il y a un très grand nombre de bonjours. Tu as un bonjour de. Alors, j'aime pas dire les noms de famille parce que parfois je les écorche, mais là, je le connais. Jean-Marc Lecona te dit bonjour. ah. Cédric Lestienne, Olivier Godin, Rémi Vier, Jean-Philippe Serre, Patrick Talon, je le savais, il m'a. On avait rendez-vous presque, Hugues Vanier, voilà, et puis Abdel Asfi d'Antenne, voilà, et Martha qui est fidèle à toutes les émissions. Donc voilà, et alors tout le monde y va des loges te concernant. Pour donner un petit peu une idée de la particularité du livre dont j'ai mis la couverture, je prends par exemple la page 109. Et tu proposes une expérimentation, c'est comme ça que tu les appelles, et tu dis voilà, donc tu donnes le thème et tu donnes des consignes à l'élève. Donc tu dis, faites votre choix entre le même rythme avec plusieurs amplitudes ou la même amplitude avec des rythmes différents. Et puis tu leur donnes, voilà, reprenez les repères, frappez 5 balles, et maintenant frappez 5 balles, mais en essayant de changer. Et tu les guides comme ça, tu es comme un accompagnateur, et l'élève fait sa propre expérience, c'est ton principe. Alors, oui, il y a un autre principe très important auquel j'ai réfléchi et que j'ai essayé d'appliquer très vite dans les expérimentations, c'est l'expérimentation à contrario. Moi, je suis un grand adepte d'apprendre à louper pour comprendre comment réussir. Attends, est-ce que tu peux me répéter cette phrase? Elle est fantastique. Vas-y. Je dis, je suis un grand adepte d'apprendre à louper Ouais. pour mieux comprendre. Comment réussir? Ah, génial. Elle est géniale, cette phrase. Tu as le bonjour de Laurent Etchénique. Là, Ah, voilà, ouais, voilà. c'est la jeune génération de basse que j'adore. Hein, la première, enfin, j'en parlerai tout à l'heure avec Pascal Sciau, Larèche, et évidemment Jean-Étienne, dont je parlerai aussi. Voilà. Et bien qu'étant au Savoyard et à moitié breton de par ma mère, je dois admettre que j'ai rêvé d'être basque par moment. Voilà. Bon, en tout cas, t'as plein de messages, tu les retrouveras en replay. Ouais, donc toi, t'aimes bien la pédagogie à contrario, c'est-à-dire on fait Oui. exprès de manquer, mais comme ça, au moins, on comprend comment ça Alors, fonctionne. je vais donner un exemple simple, Ouais. mais c'est vrai, quel que soit le niveau, quand on s'entraîne à rentrer un pote, c'est en général ce qu'on essaye de faire. Ouais. Donc si on rentre un pote, et puis on en rentre un autre, et puis on en rentre un autre, et puis on en rentre un autre, puis à un moment donné, on en loupe un, et puis on en loupe un autre. Donc du coup, on commence à se poser des questions qui sont forcément perturbatrices et peut-être pas les bonnes.
Alors que si on se dit, je vais louper intentionnellement à droite, puis à gauche, et puis court, puis à un moment donné, je suis prêt à rentrer. Donc, ayant expérimenté, et puis si on loupe, de toute façon, comme on s'est entraîné à louper, c'est pas grave sur le plan psychologique. Et puis on finit par comprendre ce qu'il faut faire pour rentrer, pour réussir du coup. C'est-à-dire que c'est une pédagogie, un aspect de cette pédagogie à avoir avec le non-jugement. Je pense que le professeur, il doit créer un climat psychologique de manière à ce que l'élève, quand il expérimente, expérimenter, c'est une action très intéressante qui n'a pas forcément à voir avec la réussite. Mais en soi, l'expérience, même de l'échec, est intéressante. Et quelquefois, elle est même plus intéressante que de réussir par hasard. Donc, on apprend de plus en plus sur soi, et puis finalement, on prend de plus en plus confiance en soi. Qu'est-ce que, quand tu dis je veux autour de mon élève créer un climat, comment tu le décrirais justement ce climat, un climat rassurant, bienveillant? Est-ce que tu recherches forcément la réussite? Parce que là tu dis que finalement tu fais des expériences à contrario, mais que l'élève n'y verra aucune gêne et pas de jugement. C'est comment tu le définis ce climat? Eh bien, je vais donner un exemple pour tout golfeur, enfin, un tout petit peu, pas expérimenté, mais qui a déjà un tout petit peu de golf, même à partir du débutant. Prenons le cas du slice, par exemple. La balle coupée, la balle qu'on ne contrôle pas. Je ne parle pas du fade contrôlé ou du slice contrôlé. Donc, l'idée, de mon point de vue, c'est dans un premier temps de dire à l'élève qui vient te voir, qui vient me voir parce qu'il a un problème avec son slice, c'est de lui dire, mais est-ce que vous êtes capable de le contrôler, d'en faire plus ou moins? Que ressentez-vous quand vous faites votre slice, sans porter de jugement? Donc à un moment donné, cette démarche permet de se déculpabiliser, d'être plus patient, c'est-à-dire d'être vraiment dans l'expérimentation, d'être dans le ressenti. Parce que, dans le fond, un des grands problèmes, je dirais, entre guillemets, dans l'enseignement du sport, du geste sportif, du golf en l'occurrence, c'est que le professeur voit ce que fait l'élève, il est supposé connaître un certain nombre de choses, et puis l'élève ressent. Par conséquent, il faut qu'à un moment donné, bien entendu, il se retrouve, peut-être que de regarder un film de l'élève leur permet d'être sur le même plan. Mais en général, quand un élève dit « je ressens ceci ou cela », le professeur peut rien en dire, puisque c'est un registre, je dirais, qu'il n'atteindra pas. Il peut simplement constater, essayer de se dire « tiens, c'est curieux qu'il ressente ça » ou « tiens, ça me rassure qu'il ressente ça ». Mais donc, du coup, je pense que le professeur, dans ce genre de travail expérimental, dans cette approche de non-jugement, peut se rapprocher du ressenti du joueur, puisqu'il lui parle de, voilà, est-ce que tu es capable, par rapport à ce que tu fais, sans porter de jugement, d'en faire plus ou moins? Et à partir de là, Alors, on dit que le cerveau, pour apprendre, n'a pas besoin de comprendre et il a seulement besoin de faire les choses et de les ressentir. C'est un petit peu ce que tu es en train d'expliquer. C'est ton parti pris pédagogique. Oui, bien sûr. C'est un des partis pris pédagogiques, oui. Et alors, j'ai envie de faire un saut en avant par rapport à l'expérimentation, parce que c'est une idée, évidemment, que j'ai pas perdue de vue. Et disons, 20 ans ou presque 25 ans après, quand j'ai eu à m'occuper du pôle, alors peut-être je le ferai tout à l'heure quand on parlera des périodes, des circonstances dans lesquelles j'ai été Alors, amené à. moi, je voudrais revenir sur, je voudrais revenir sur ton apprentissage à contrario, puisque on a sélectionné ensemble quelques images justement sur cette expérience à contrario dont tu parles dans ton livre, hein, je le remontre pour ceux qui viennent juste d'arriver, qui s'appelle Pratique du golf chez Vigo, où tu expliques qu'en fait, le jeu de golf, c'est un petit peu comme un ricochet. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette expérience de ricochet dont je montre la petite fille que tu avais dessinée? Alors,
Le ricochet, tiens, ça me fait penser, j'y avais pas pensé depuis des années, lors de l'inauguration du golf national, on avait vu de grandes stars comme il y avait Ray Floyd, il y avait Greg Norman, qui était le meilleur joueur du monde à ce moment-là, Jeff Sluman, il y avait Antoine Fary, Marc-Antoine, pardon. Et à un moment donné, Floyd et Greg Norman étaient donc devant le green du 18 de l'Albatros et se sont mis à faire des ricochets sur le plan d'eau pour mettre la balle sur le fairway du 15. C'était absolument tout à fait extraordinaire. Donc, mais les ricochets, bien entendu, ça a à voir avec un exercice parmi d'autres qu'on peut faire par analogie, qu'on peut faire à des enfants, mais même aussi à des adultes, parce que ça a à voir avec un élément ou à certains éléments du swing de golf, hein, parce que ça n'est pas que ça n'est pas qu'un lancer. Et par conséquent, évidemment, à contrario, donc il y a un certain nombre de, malgré tout, si on analyse le mouvement qu'on fait quand on veut faire des ricochets et qu'on y parvient, à contrario, si, par exemple, ce qui est bien décrit dans le dessin ou bien montré dans le dessin, si on est appuyé sur la jambe avant, si on tend son bras au lieu de l'avoir replié, enfin dans le mouvement retour, si au lieu d'amener le coude, un peu comme le joueur de tennis ou le joueur de golf d'ailleurs, hein, on amène la main, du coup on a peu de chances de faire un ricochet. Donc c'était un exemple parmi d'autres. Je trouvais qu'il illustre très bien le raisonnement ou l'expérimentation à contrario. Et tu t'appuies, je le vois dans ce livre et dans ton enseignement, tu aimes bien t'appuyer justement sur d'autres activités sportives ou le vécu sportif. Là, ce livre, quand tu l'écris dans les années 90, en fait, Non, tu non, es 88, oui. 88, voilà. En fait, tu es précurseur de ce que vont enseigner maintenant, actuellement, hein. TPI aux États-Unis en disant on doit créer de jeunes sportifs, de jeunes athlètes et les spécialiser très tard. Donc toi qui t'es occupé à la fois, on y reviendra, hein, des équipes de France, mais aussi du pôle espoir, tu avais déjà ça à l'esprit. Tu parles du pôle et du haut niveau. Moi, je me souviens de rencontres là aussi avec des coachs suédois lorsqu'il y avait des championnats d'Europe de jeunes, boys. Et c'était passionnant, bien entendu, parce qu'ils étaient quand même en avance sur nous dans la démarche, les moyens qu'ils se donnaient aussi. Il faut se souvenir que le premier projet suédois, qui était donc initié ou en tout cas piloté par Sven Tumba, qui était un grand joueur de hockey, qui était l'équivalent en hockey de ce qu'a été Pelé en foot. C'est une immense star du hockey. Et à un moment donné, donc, les meilleurs joueurs suédois, par exemple à la Coupe du Monde professionnelle, Gunnar Müller, que je connaissais assez bien, ils étaient 20e, 25e à la Coupe du Monde, c'était leur niveau. Et puis d'un seul coup, ils ont pris les choses en main, ils ont eu plusieurs projets. Le premier projet, c'était de devenir la première nation d'athlètes golfeurs, donc avec bien sûr des professionnels, mais aussi des biomécaniciens, des psychologues, des sportifs de très haut niveau, d'autres disciplines. Ensuite, il y a eu évidemment le projet Objectif 54. J'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai d'Anne Le Cognac, que je trouvais en France en avance sur nous et dont je me suis inspiré sur certains aspects du coaching. Et du coup, les coachs suédois avec lesquels je parlais me disaient que l'hiver, parce que ça me préoccupait, je me disais, mais l'hiver, vous êtes sous la neige, ils jouent pas au golf, les jeunes, parce que là, c'était des matchs quadrangulaires, Suède, Écosse, France, au printemps. Et ils disaient, oui, mais ils font non pas du sport en hiver, ils font de la compétition sportive. C'est-à-dire qu'ils étaient licenciés, ils faisaient le championnat de hockey, le championnat de. Enfin, c'est-à-dire que c'est du coup tout à fait autre chose. C'est pas, ça va au-delà de l'éducation physique par rapport à voilà, la force, tout un tas de qualités techniques physiques qu'ils développent, mais c'est la compétitivité surtout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cessé de faire de la compétition, même s'ils n'ont pas fait de golf pendant la période hivernale. Et ça, c'est vraiment. Alors, on revient là-dessus, hein, puisque en effet tu parles des jeunes et tu as été responsable du pôle espoir. Lorsque tu entraînais les jeunes du pôle espoir, donc là on en a fini avec ton livre, mais tu aimes transmettre donc par l'expérimentation, on en parle. Et toi, tu as carrément créé des fiches d'expérience que tu donnais justement à tes jeunes élèves pour qu'après ils puissent faire les expériences.
les remplir et te faire part de leur feedback. Je crois que tu as fait plus de 500 fiches d'expérience, c'est ça? Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans ces fiches brièvement? Je sais que ça va faire rire Eric et Jean-Pierre, ça veut dire que je m'en fichais pas en fait, hein. En tout cas, la première, ça m'amène à parler du coup du début du pôle, c'est-à-dire que j'étais donc dans le centre de formation que je dirigeais avec Eric, et puis normalement, le pôle qui devait ouvrir à la rentrée, que la fédération lançait sur le site de Saint-Quentin, devait être animé, pris en main par Nicolas Subrat, que je salue au passage, s'il écoute. Et il se trouve que pour des raisons voilà, personnelles, ça n'a pas pu se faire. Donc du coup, nous étions au mois de mai, ça ouvrait en septembre. Donc Christophe Pugnésat, un petit peu affolé, vient me voir en me disant « Écoute François, il va falloir qu'on ouvre ce pôle à la rentrée. Donc avec ton expérience, est-ce que ça te tenterait de refaire du coaching? Est-ce que ça t'intéresserait? Et puis nous, ça nous sécuriserait parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, » Donc du coup, j'ai dit « Ok. » Par conséquent, évidemment, j'ai commencé par m'adjoindre un jeune que j'avais repéré dans le pôle, dans le centre de formation. Il y avait une génération avec Guillaume Biojo, Jean-Damien Yves, Sébastien Jost. Il y avait des talentueux. Donc j'en ai choisi un. Je considérais qu'il avait un potentiel, il avait envie. Et par conséquent, mon premier souci, ça a été de faire des fiches pour lui, de manière à le mettre sur les bons rails, et puis m'assurer qu'il n'y ait pas trop de discordance entre mon discours et le sien. Donc, du coup, c'était des feuilles de route, en fait. Donc, j'en ai fait un certain nombre qui sont rentrés dans... C'est devenu une référence fédérale, d'après ce que j'ai compris. Et puis, il se trouve que quelques années après, 2 ans après, donc on a bien démarré, il y a eu quelques titres de champion de France assez vite, enfin, peu importe. Et 2 ans ou 3 après, il y a une fille qui me téléphone de chez elle, entre deux compètes, et puis qui me dit « François, ça va pas, mes approches sont pas bonnes, je ne rentre plus de potes, mes fers loupent les greens, mes dry loupent les fairways. » Enfin bref, c'était la catastrophe. Donc du coup, je la calme et je lui donne quelques idées. Et puis 1 heure et demie après, elle me rappelle en me disant « François, c'est génial, ça marche !» Et donc, du coup, j'en étais content pour elle, mais en raccrochant, je me dis, c'est donc un échec. C'est donc un échec, c'est-à-dire, c'est pas du tout l'idée que je me fais d'un responsable, d'un éducateur, d'un technicien, d'un entraîneur de pôle. C'est-à-dire, je me disais, cette fille, quand elle est avec moi, elle travaille bien, mais quand elle est toute seule, elle est incapable de mettre en œuvre des choses que je lui ai dites, qu'on a fait ensemble 150 fois. Donc du coup, je me suis remis en question. Je me suis dit, il faut que je change de pédagogie. Et par conséquent, j'ai commencé à réfléchir à des fiches. Donc cet été-là, ma seconde épouse a été très compréhensive, comme elle l'est encore, toujours. On n'a pas pris de vacances. J'ai travaillé. J'ai fait des fiches. Qui avait à voir avec l'apprentissage à l'autonomie, l'éducation à l'autonomie, à l'entraînement. Alors ça, on va y revenir, hein, puisque c'est vraiment ton cheval de bataille, guider l'élève vers l'autonomie. Alors juste avant, hein, tu as le bonjour de. Alors je passe, hein, évidemment, les messages, tu ne les vois pas, j'explique aux internautes, mais tu as le bonjour de Reynald de Baya, Paul Galidzine, Julien Denu, on a Olivier Godin, on a Charles Dubois qui dit génial d'avoir invité François. Top pro, on a Michael Dieu. Alors ça, c'est ma génération. Il me met quelle belle époque. Merci, merci le coach. Et on a Marie Arnoux qui est ravie de te revoir. Ouais, je le disais. Moi, je suis frustré de pas les voir, en fait. Ben non, non, mais c'est pour ça que je te l'ai dit. Je les affiche et tu les verras lors du replay. Ne t'inquiète pas. Ouais, on a parlé des fiches vers l'autonomie. On a parlé de ton livre. Les fiches et la recherche de l'autonomie, on peut retrouver ce concept dans le manuel de l'enseignement que je suis en train de montrer à côté de toi, auquel tu as participé, hein. Tu étais avec Éric Vanier et Feu Jean-Étienne Lafitte, l'artisan de ce manuel de l'enseignement.
Pourquoi avoir écrit un manuel de l'enseignement dans lequel on peut retrouver tout ce que tu es en train de nous dire? Pourquoi ce manuel de l'enseignement? Et pourquoi il était, à mon avis, hein, pourquoi il était essentiel de faire ça? Alors, d'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est que au tout début, le manuel de l'enseignement, ça a à voir avec le fait que le directeur de l'époque donc faisait un peu le point sur le golfe national, sur notamment l'enseignement, et je lui faisais remarquer que à partir du moment où on affiche Académie fédérale de l'enseignement sur le site du golfe national, ça implique qu'on enseigne en lien avec le développement du golfe en France et le haut niveau, c'est-à-dire que ça dépasse le cadre du golfe national. Donc il doit y avoir une pédagogie identifiable, identifiée et validée, ce qui n'était pas exactement le cas, malgré les compétences sur les bonnes volontés, la bonne énergie. Par conséquent, branle-bas dans Landerneau fédéral, je dis Landerneau parce que le directeur de l'époque, c'était un Breton. Et il y a eu une réunion de la DTN sous l'autorité de Philippe Grandjou à ce moment-là. Et puis, on a commencé à réfléchir. Et moi, m'est venue l'idée, et j'en ai beaucoup parlé avec Eric, évidemment, du fait qu'à ce moment-là, il y avait quatre centres fédéraux de formation sous la bannière fédérale. Donc, il y avait Vichy, évidemment, historiquement, qui était à l'origine de l'école fédérale qu'a créé Jean-Étienne avec Didier Nocera, une bonne paire de départ. Et puis, Montpellier, Bordeaux, avec Jean Delgado, j'y ferai allusion tout à l'heure, et puis évidemment le golfe national. Donc il fallait qu'il y ait un tronc commun, si je puis dire, qu'il y ait un contenu qui puisse faire penser qu'on soit dans un centre ou dans un autre, qu'on est alimenté de la même manière. Donc du coup, voilà, la raison, bien que au départ, ça avait à voir aussi avec, malgré tout, le golfe national, qui est, je dirais, la vitrine, tout comme le centre de formation fédéral, l'enseignement. Et donc, à ce moment-là, les quatre centres devaient être identifiés, devaient être, et par conséquent, voilà la raison du manuel. Alors, une question d'actualité, c'est est-ce qu'on devrait réactualiser ce manuel? Selon toi, et qu'est-ce que tu y apporterais comme modification? Je rappelle que on parle du manuel de l'enseignement qui regroupe toutes les idées communes aux quatre centres de formation à l'époque. Hein. C'est la bible de tous les enseignants qui ont été formés à cette période. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu changerais alors? Je changerais rien. Par contre, j'aborderais différemment certaines choses. Ouais. Je m'aventurerais sur un chemin un peu original. D'ailleurs, ça, j'ai commencé à le faire. Donc, j'avance sur un projet que j'aimerais bien mener à terme, qui serait mon dernier, qui serait l'histoire de boucler la boucle. Donc pour le métier, pour les futurs enseignants, donc c'est quelque chose auquel je réfléchis cette réflexion, dans le fond, j'en ai fait part à quelques personnalités proches, passionnées et compétentes comme moi, et qui vont peut-être me rejoindre. Donc pour le moment, je peux pas en dire plus. D'accord, ok. Mais peut-être en ai-je trop dit. Non. En tout cas, tu sais que tu as des fans. Il y a Jean-Philippe Serre qui vient de nous rejoindre. Et qui dit « François, c'est le professeur John Keating dans le cercle des poètes disparus ». Je ne sais pas si tu vois, c'est celui qui… voilà. Et tu as été tout à l'heure présenté comme étant le panoramix du golf français. Enfin voilà, tu liras tous les commentaires qui sont vraiment élogieux et fort sympathiques. Il y a un commentaire qui a retenu mon attention, que je suis en train de mettre en avant. Et qui va, tu vas voir, aborder une seconde question qui, moi, vraiment, m'a surpris. C'est Olivier Godin qui nous dit « Et toujours cette grande humilité de la part de François. » Et lorsque l'on a préparé l'émission, donc en off, en répétition, tu m'as dit « Rémi, lorsque j'ai débuté l'enseignement du golf à Valcro, je crois que j'ai brisé une génération de golfeurs. »
Le terme, je préfère détruire. Détruire. Carrément détruire. Est-ce que tu peux m'expliquer cette phrase parce qu'elle est forte quand un enseignant dit j'ai détruit une génération. Est-ce que tu peux m'expliquer ton point de vue, cette phrase, ton ressenti quand tu dis ça? Alors, tu n'as pas perdu de vue, Rémi, que nous avons l'intention d'aborder la valeur rencontre, c'est-à-dire la rencontre, par définition, il s'agit de l'autre, ce qu'il nous apporte quand on le rencontre. Mais là, malheureusement, tu me poses une question, ça va m'obliger à parler un tout petit peu de moi. Donc, du coup, ce que je dirais par rapport au contexte de Valcro, à la fin des années 60, j'ai passé le brevet d'État, premier degré, à Saint-Cloud. Et dans ma promotion, il y avait Christian Bonardi, il y avait donc Jean-Étienne Lafitte, il y avait Bernard Pascasio, il y avait Dominique Larèche. Enfin, salut tous, je les aime beaucoup et je les admire énormément. Et par conséquent, cet examen, enfin, ce brevet d'État se passait à Saint-Cloud. Le jury était constitué de Roger Golias, un de mes maîtres, de Pierre-Étienne Guyot, qui était président de la Fédération française de golf, et de Claude Roger Cartier, qui était président de l'APGF et qui était en même temps président de la commission sportive de Saint-Cloud. Et j'ai fini, je dois le dire sans fausse modestie, puisque tu parlais de... J'ai fini major de ma promotion, et compte tenu de leur prestigieux parcours, je ne pouvais pas faire moins que d'avancer un peu. Et par conséquent, Claude Cartier m'a dit à la fin de ce brevet d'État, écoutez, j'aimerais bien que vous intégriez l'équipe pédagogique de David Mills à Saint-Cloud. Réfléchissez-y et revenez me voir dès que vous aurez pris votre décision. Dans l'intervalle, pour mes 19 ans, j'ai fini 5e du championnat de France professionnel, 6e du Grand Prix de la PGF, et j'ai donc été sélectionné dans l'équipe de France Espoir, dans un tournoi qui n'existe plus depuis longtemps, qui était sponsorisé par les 20 prestigieux du Sud-Est. Il y avait Kiravi, ça se passait à Marseille, et c'était donc une sorte de championnat d'Europe continentale, professionnel. C'était la période où Jean Garrigald était un des meilleurs joueurs d'Europe, et par conséquent, qui aurait eu sa chance, si la Ryder Cup avait été ouverte aux continentaux, qui aurait eu sa chance de la jouer au moins deux fois à ce moment-là. Et donc moi j'ai joué avec Roger Damiano, mon vieux copain, avec Jean-Michel Larèche, qui était exceptionnellement doué, le frère de Dominique. Et puis il y avait aussi Patrick Ross, à qui on promettait une carrière absolument extraordinaire, compte tenu de son parcours amateur. Et par conséquent, en même temps, ces années-là, je continuais de faire le caddie l'été à Évian. Et je faisais le caddie, entre autres, du président de Valcro, de gens du Sud-Est que j'adore toujours, enfin que j'adorais en tout cas, ils ne sont plus là. Et par conséquent, ils m'ont dit, le bataillon de Fontainebleau, non, viens dans la marine, on va te faire un service militaire al dente, puis tu pourras donner des leçons de golf le week-end, et comme ça, tu pourras rentrer dans notre golf de 80 membres. Donc, quand je suis rentré dans ce golf, donc j'ai dit, ok, j'ai fait ce service militaire dans la marine, un petit bonjour à Lamberto Capoccia, qui m'a rejoint là-bas ensuite, pendant le service militaire, et... Je suis rentré, j'ai été accueilli comme un prince. Donc, je pensais que j'étais un roi. Et puis, du coup, une chose qui s'est passée, qui était extrêmement importante pour moi, j'ai rencontré ma première épouse. Donc, voilà, amour, mariage, enfant. Donc, il a fallu, comme elle avait un métier, une vie à Paris, reprendre contact avec Claude Cartier, qui était un peu étonné, parce que ça faisait quand même du temps où il m'avait fait cette proposition. Donc, David Mills semblait toujours d'accord pour m'accueillir, donc du coup j'ai passé un test. Donc David Mills m'a fait donner une leçon à un de ses élèves plus ou moins débutants, puis ensuite un élève, un excellent golfeur, et puis ensuite il m'a fait faire une démonstration commentée. Et puis à la fin... Mais François, pourquoi avoir cette impression d'avoir détruit une génération? Alors, à la fin, il me dit « François, tu ne sais rien sur ton swing. Tu ne sais pas donner une leçon. Et puis, ta méthodologie d'observation est vraiment pas bonne. » Donc, du coup, je me suis dit, évidemment, perfide Albion. J'étais absolument furieux. Donc, du coup, j'étais vexé, évidemment. Et puis, en prenant du recul, je me suis dit, mais il a raison.
Je ne sais rien. La seule chose que je savais, c'était jouer au golf, ce que m'avait appris mon père. Et par conséquent, ça a été la plus grande leçon de ma vie de Alors, professionnel. ce qui est fou, si tu veux, François, c'est que d'habitude, il se passe le contraire. C'est là où je veux en venir. C'est que d'habitude, moi, je prends mon cas, hein, et avec le recul, je peux maintenant en parler. Moi, j'ai passé mon diplôme à 19 ans, et j'avais l'impression de tout savoir, tout connaître, que j'allais tout révolutionner et que je connaissais tout au golf. Arrivé à 30 ans, c'est pareil. Et puis arrivé à 40, oh là 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 là, j'ai vu que chaque porte ouvrait une autre porte, que elle-même ouvrait encore une porte. Et là maintenant, à l'âge que j'ai, je me dis qu'il va me manquer une vie. Et c'est un vrai regret pour moi parce que j'ai cette impression que ben je ne sais rien quoi et que je suis passé à côté de plein de choses. Et toi, ce qui est amusant, c'est que tu as eu cette sensation dès le départ. Donc finalement, de l'avoir eu dès le départ, est-ce que ça t'a aidé justement à mieux gérer toute ta carrière? Bien sûr, parce que en réalisant ça, j'ai compris une chose fondamentale, mais ça c'est vrai en tout domaine d'enseignement. C'est-à-dire que si on veut prétendre un jour à être un professeur convenable, il faut être avant tout un élève attentif. Donc je me suis dit, soit ouvre tes yeux, tes oreilles, sois attentif à toutes les rencontres que tu feras pour prendre le meilleur des gens que tu rencontreras. Et dans le fond, j'étais dans l'état d'esprit dans lequel il faut être et dans lequel je n'aurais pas été si Ouais, j'avais pas vu. Voilà. si tu n'avais pas eu cette réflexion. Et Alors, tout à l'heure, tu parlais, et je suis en train de les afficher à côté de toi, tu parlais de cette génération, Dominique Larench, Christian Bonnardi, Hervé Fraissineau, Jean-Étienne Lafitte, Bernard Pascassio. Et là, moi, j'ai un commentaire de Christophe Potier que je suis en train d'afficher. Donc, c'est marrant parce que tu as été le collègue de travail, en tout cas de tous ceux que je viens de citer, mais tu as eu comme élève ceux qui sont maintenant les acteurs du golf français, Christophe Potier, hein, Non, ancien entraîneur de l'équipe de France, tu as eu Christophe Mouniéza, tu as eu, donc qu'on ne présente pas, Olivier Edmond qui est DTN en ce moment au Maroc. Tu as eu Patrice Barquez, tu as eu Christian Sévère, tous ces Alors, joueurs, comment tu les as gérés? Parce que c'est des sacrés joueurs, ça. ce que j'ai envie de dire d'abord, Christophe Potier. C'est quelqu'un, outre une gouaille, une personnalité extrêmement sympathique, il a des mains en or. Et je lui ai déjà dit quelques fois, c'est-à-dire que lorsqu'il a changé de registre, lorsqu'il est passé donc dans l'enseignement, dans l'entraînement, je pense, et il est encore temps, qu'il aurait pu développer en plus de toutes les qualités qu'il a. Cette expertise dans le petit jeu, avec cette créativité qu'il a dans les mains, absolument extraordinaire. Il est un démonstrateur remarquable, mais je pense qu'il aurait pu, il me faisait penser à des grands pros américains qui ont quelquefois cette capacité, c'est pas donné à tout le monde, d'être des démonstrateurs et des théoriciens. Et lui, pour le petit jeu, je pense qu'il a encore de grandes ouvertures à prospecter. Ensuite, Olivier Edmond, puisque là on arrive, je ne sais pas si elle se jouera cette Ryder Cup, mais le capitaine qui est pressenti, c'est Padraig Harrington. Le précédent, c'était Thomas Björn au Golf National. Et il se trouve qu'Olivier Edmond, quand il était donc jeune homme, jeune golfeur extrêmement talentueux, il les battait deux fois sur trois, ces mecs-là. Il était meilleur qu'eux. Donc, il a été quatrième au classement individuel champion du monde. Il a gagné le Brabazon. Il aurait pu gagner le British Amateur. Il n'était pas loin, en tout cas. Donc, c'était quelqu'un qui avait un talent énorme. Voilà, c'est quelqu'un avec lequel, d'ailleurs, j'aurais aimé à un moment donné j'aurais aimé qu'on puisse en parler. J'ai mon point de vue, mon ressenti. J'aurais aimé le confronter au sien. Christophe Mugnesa, lui, il avait déjà cette. C'était un golfeur très compétent, très technique, très passionné de technique. Et puis, il avait évidemment déjà, c'était de brain, hein, il avait déjà cette Alors, intelligence. Oui. François, je Et m'excuse, hein, parce qu'on pourra pas parler de tous les champions, mais par je contre, il y en a un
qui est en train de te laisser un commentaire, et là tu vas pouvoir t'adresser à lui en direct, et il a joué la Ryder Cup, c'est Jean Van de Velde qui te laisse un petit commentaire, et je le lis, hein, puisque j'explique aux internautes que tu ne vois pas les commentaires. Il met: François, un exemple pour nous tous, nous avons de la chance de pouvoir apprendre avec lui. Voilà ce que dit Jean Van de Velde. Un petit commentaire rapidement, parce que on va bientôt arriver à la fin de notre émission, hein, François, attention, sur Jean Van de Velde et ce petit commentaire qui, je pense, te fait plaisir. Ah ben, bien, non, lui, évidemment, Jean, de toute façon, il faut quand même se souvenir que Jean a gagné donc le Roma Masters en 92, curieusement d'ailleurs en parallèle avec Roca qui gagnait l'Open de France la même année. Et c'est quelqu'un, évidemment, qui a fait remonter le niveau de confiance du golf professionnel au plus haut. Hein, c'est-à-dire que si, à un moment donné, Thomas Levet est en position de gagner l'Open britannique, c'est parce que Jean, avant lui, était en position de le gagner à Carnoustie. C'est quelqu'un, évidemment, de très intelligent, qui a eu beaucoup d'expérience déjà, alors qu'il est bien plus jeune que moi, dans divers domaines. C'est quelqu'un qui était très apprécié lorsqu'il a fait des commentaires à la BBC de golf, y compris par le maître de Voice, Peter Alice. C'est quelqu'un de, voilà, d'élégant. C'est quelqu'un. Alors, moi, la première fois, le premier souvenir, je ne sais pas s'il s'en souvient, de Jean en tant que golfeur professionnel, c'est quand il est venu à Santa Ponza avec John Jacobs, qui animait le stage. C'était donc l'équipe de France amateur du temps d'Éric Giraud, du temps de Patrice Barquez, du temps de Cambon, de je ne sais pas ce qu'ils deviennent, Jean-François et d'autres. Et du coup, Jean venait de passer professionnel, et avant de se lancer véritablement dans la carrière, il a fait quelques stages, notamment avec John Jacobs. Et il y avait d'ailleurs, on sentait aussi déjà la forte personnalité de Jean. Il y avait de temps en temps quelques tensions entre John et Jean, qui voyait évidemment, qui en a vu d'autres et qui voyait bien l'immense talent de Jean, mais bien sûr, avec son expérience, il lui faisait comprendre qu'il y avait peut-être des choses à faire. Alors, François, donc tu viens, alors tu as le bonjour de Eric Boucaud, de Georgie Leven. Jean-Philippe Prince, donc tout ça, je les affiche. Tu viens de parler de John Jacobs, tu viens de parler aussi de David Ledbetter. On a parlé des collègues avec qui tu enseignais, on a parlé des joueurs. Là, j'ai dit que tu avais côtoyé les plus grands coachs du monde. Qu'est-ce que t'ont appris ces rencontres avec Bob Tusky, John Jacobs, David Ledbetter, qui sont des noms qui chantent et qui nous font encore rêver? Alors, Bob Tusky, c'était donc à Saint-Cloud, en fait. C'est-à-dire qu'il avait été invité par des membres complètement passionnés et qui avaient les moyens, hein, de faire venir Bob Tusky pendant quasiment presque 15 jours. Et donc, il y a eu un certain nombre de pros qui ont bénéficié de ce passage tout à fait extraordinaire, de cette personnalité qui était donc un joueur qui a joué la Ryder Cup, qui a gagné le Tam O'Shanter, qui était un tournoi très important, et puis qui était un latin, je dirais. Je crois qu'il était d'origine polonaise, mais enfin, il avait un côté exubérant, chaleureux, sympathique. C'est un showman. C'était un des grands techniciens d'une période où, par exemple, moi je lisais Golf Digest, qui m'alimentait, tout comme Tennis et Golf, tout comme Golf Illustrated, et il y avait des débats tout à fait passionnants avec Bob Tusky, avec déjà Jim Flick, avec Sam Snead, avec John Jacobs, qui était l'invité, qui était, je dirais, l'égal des grands coachs, des grands techniciens américains. Et c'était passionnant parce qu'ils débattaient pas simplement de technique, mais de parcours, de matériel, d'histoire. C'était vraiment, j'ai beaucoup appris. Et quand on l'a vu, il y a eu des moments tout à fait extraordinaires. Je notais malheureusement l'éloge funèbre qu'il a fallu faire pour Jean Delgado dernièrement. Pour nous qui avons été témoins de ce moment, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Jean Delgado donc tape des balles, fait des swings, et Bob Tusky dit: mais tu es le fils naturel de Sam Snead. c'est élogieux. C'est génial. Et donc, du coup, il nous a
On s'est réapproprié grâce à lui des choses que nous avaient enseignées les sorciers basques auxquelles on n'avait pas forcément prêté attention, c'est-à-dire l'enseignement quand on a dans le processus d'apprentissage du grain verloti. Donc on pote, on chip et puis on. Et alors chip, ça me fait penser à l'idée. C'est le premier qui m'en a parlé, c'est Christian Sever. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Chip est de plus en plus loin. C'est une bonne idée. Ce que j'aime, si tu veux, avec ce qu'on est en train de vivre, je parle avec les internautes hein, et les commentaires continuent. C'est à la fois on fait un pas dans le passé, mais en fait c'est très actuel ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire la pédagogie en partant du green et en agrandissant le mouvement. Tout à l'heure on a parlé de l'expérimentation. On a parlé de fiches d'entraînement. Je vais le mettre à l'image aussi. Je sais que tu es adepte et comme le prouve cette image du mimétisme. Et là on te voit avec un élève qui est en train de regarder son swing dans un miroir. Et tout ça sans les nouvelles technologies, mais simplement avec des principes d'enseignement qui sont encore d'actualité. Est-ce que justement, puisque là tu parlais de Bob Tusky, est-ce que David Ledbetter, qui est quand même celui qui a amené les académies, qui a amené l'image du pro, qui a amené l'utilisation de la vidéo, est-ce que lui, par rapport à ce que tu as connu avec Bob Tusky, John Jacobs, est-ce que lui t'a amené quelque chose de complètement différent ou Alors, chaque rencontre, quand on est passionné comme nous le sommes, ce sont des génies dans leur registre, enfin, ce sont des personnalités, je dirais, hors normes. Ce sont avec des personnalités fortes, différentes. John Jacobs, je trouve qu'il avait plus un côté irlandais qu'anglais. Il avait des côtés très anglais, mais il avait un côté exubérant, un côté extrêmement drôle. Donc chacun d'entre nous, on a lu à un moment donné, entre autres, Méthode pratique de golf, mais pas que Dr. Golf, hein, qui sont des bouquins remarquables et importants. Mais quand on le voyait en prise, dans son action professionnelle avec des joueurs, sa présence, il était très performant face à un joueur. Ledbetter, je trouve que la différence entre la personnalité et puis l'approche pédagogique, j'y ferai une petite allusion après, puisque j'y ai été associé directement avec Ledbetter lorsque je suis rentré à la Fédé. Ledbetter, lui, c'était un modèle, un projet, donc de déconstruction d'abord, et puis ensuite de construction. Et c'était assez spectaculaire de voir entre les mains de David Ledbetter des joueurs excellents qui semblaient devenir très moyens. Donc on se disait, mais que se passe-t-il? Et puis, 2 jours après, dans un stage de 4-5 jours, on voyait où ils voulaient en venir et les résultats, avec des joueurs doués certainement, qui commençaient à être spectaculaires, même productifs. Alors, donc on pourrait dire qu'ils donnaient des outils aux joueurs. Le mieux c'est qu'ils étaient suivis quand même quand il n'était pas là, mais qu'il leur permettait de travailler alors que John, lui, on avait l'impression, il le faisait pour long, c'était pas dans ses intentions, mais les joueurs étaient plus dépendants de lui parce que dès qu'ils arrivaient dans son environnement de façon très simple, il disait des choses très simples qui donnaient l'impression aux joueurs que les problèmes allaient se régler, et ils se réglaient d'ailleurs assez vite. Donc alors, voilà, ce qui est intéressant avec ton regard, c'est qu'en fait, tu dis que il y a des choses que tu as piochées ou aimées chez Bob Tusky. Je sais que tu as aussi travaillé avec Gary Whiren. Enfin, on va pas tous les énumérer, mais en fait, tu as été pioché un petit peu chez tous ces grands coachs, ce qui t'a construit. Et maintenant, à ton tour, puisque tu continues, hein, maintenant tu fais de la formation pour les centres de formation, est-ce que toi justement, tu te sers de ça et est-ce que tu délivres ce message à cette future génération d'enseignants? Oui, bien sûr. On
parlera quand même de David Ledbetter tout à l'heure. Hein. Attention, François, il nous reste plus que moins de 10 minutes. Hein. Donc, il faut qu'on arrive à caser tout ça. Hein. Et tu as le bonjour de Thierry Maton. Hein. Réciproquement, chaleureusement. Un swing délié, un grand arc, enfin, beau golfeur. Donc, j'ai envie de dire, en France, pendant, je trouve qu'il y a eu une querelle à un moment donné, non pas entre les anciens et les modernes, même si elle existe toujours, mais entre John Jacobs et David Ledbetter. Or, je vais prendre un exemple d'un modèle qu'ils avaient tous les deux en commun, Sam Snead. Sam Snead, qui est un étalon incomparable, y compris pour les champions modernes. Et donc Sam Snead, quand David Ledbetter l'a utilisé comme modèle, c'est par exemple à travers la sitting position, pour justement faire en sorte que le bas du corps se stabilise, pour justement faire travailler Nick Price, qui était extrêmement actif, qui avait un bassin qui se décalait au début du travail qu'il a fait avec lui. Et John Jacobs, dans le même temps, disait « Sam Snead, c'est un modèle tout à fait extraordinaire, parce qu'au retour, les mains s'éloignent des épaules, donc agrandissent l'arc. Donc, du coup, ça aplatit l'arc, ce qui permet donc d'avoir un angle d'attaque absolument magnifique pour le drive, qui était une des caractéristiques de la technique de Sam Snead. Donc, du coup, c'est intéressant parce qu'ils utilisent, en l'occurrence, là, un modèle qu'ils considèrent comme étant… parfait, je n'en sais rien. En tout cas, c'est un modèle dont ils s'inspirent, mais comme leur démarche pédagogique n'est pas la même, ils vont prendre des éléments qu'ils vont intégrer et faire travailler ou attirer l'attention de leurs élèves sur qui est directement lié à leur approche pédagogique. Je vais donner un exemple j'aurais jamais osé en parler si Étienne avait été là. Mais j'en parle parce que Étienne était avec moi et ça illustre un peu ce que je suis en train de dire. Dans un XR3 Ford des années 80, il y a eu, je ne sais pas si tu t'en souviens, certains s'en souviennent, il était prévu que Ballesteros, qui était donc l'un des meilleurs du monde, joue, il venait de gagner un Masters et un Open britannique, joue contre Jack Nicklaus, himself. Et puis Jack Nicklaus s'est fait mal au dos, très mal au dos, donc il était remplacé par Jerry Watine et Jean Garrial qui ont joué en 4 balles contre Severiano. Et j'étais pro à Saint-Cloud encore. Et puis je reçois un coup de fil de Jean-Étienne qui me dit « Est-ce que demain matin tu voudrais faire la reconnaissance ?» Severiano sera là et par conséquent il veut voir le parcours, donc est-ce que tu veux venir avec moi ? Donc on était le lendemain matin, tous les deux, avec Severiano et son caddie, et donc qui arpentait le parcours. Et puis il faisait que du hook, beaucoup de hook, beaucoup de balles liftées. Donc à un moment donné, il nous dit, mais Étienne et à moi, mais vous êtes pro ? On dit, oui, on est pro. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Alors on est devenu blême, parce que c'était quand même quelqu'un d'impressionnant. Et puis, on échange avec Étienne et je me lance en anglais en lui disant, tu as les jambes actives, donc les mains réactives et beaucoup de lift, push lift. Donc je lui dis, try to hit flat-footed à l'impact, stabilise ton bas du corps quand tu tapes la balle. Donc du coup, il drive, je crois que c'était au 4, me semble-t-il. Non, au 5, voilà. Et là, il fait un coup abominable, c'est-à-dire une balle qui prend... Qui prend sur le sommet de la face de club, qui paraît être un push en chandelle. Donc là, évidemment, on était absolument atterrés. Il nous regarde furieux. Et je me dis, il faut sauver la face. Donc la face de club aussi, d'ailleurs. Et je lui dis, en fait, c'est pas un push, hein, c'est-à-dire que ça a à voir avec ton angle d'attaque. C'est-à-dire que tu étais tellement rapide au début de la descente que le manche a pris d'avance sur la tête de club et la balle est partie comme ça. À ce moment-là, il a été attentif, donc il a recommencé une balle, et là, il a fait un coup magnifique, et il a fait son sourire irrésistible, qui est mondialement connu dans l'histoire du golf. Et donc,
du coup, il faisait frais, c'était le matin, mais on commençait à transpirer avec Étienne. Mais là, du coup, la face était sauvée. Alors, pourquoi je parle de cette anecdote? Parce que d'abord, ça, pour nous, c'était une unité de mesure qui nous faisait penser que même avec un immense crack, on pouvait, par déduction, parce qu'on avait compris ou cru comprendre, être en capacité, à un moment donné, de dire quelque chose de sensé qui pouvait aider même un très grand joueur. On s'en est pas vanté parce que c'était pas pour dire. Parce qu'après, il a fait 64-65 dans l'exhibition. Donc, si on s'en était vanté, on aurait pu penser que c'était nous qui lui avons donné une leçon, ce qui n'était quand même pas le cas. Alors, François, ouais, j'ai le Michael Dieu qui te passe le bonjour de la part de Sébastien Delagrange, des noms qui doivent évoquer quelque chose. Et j'en profite, il y a Olivier Aubert qui te salue aussi. Alors, pour terminer cette émission, il nous reste plus que 5 minutes. Et je vais te demander un exercice très difficile. Je sais que tu apportes beaucoup d'importance aux rencontres. On s'enrichit des rencontres et au contact des autres. Si tu avais une rencontre à choisir, une personne qui a changé ta vie d'enseignant de golf, ce serait qui? Alors d'abord, je voulais dire que quand on s'appelle Dieu, Michael Dieu, on est condamné à faire des miracles. Hein. Ouais. Donc ça, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était un clin d'œil. Donc les rencontres, bah oui, de toute façon, donc là tu parles dans le golf. Oui, dans le golf, ouais. Il y en a beaucoup qui sont, je dirais, d'importance égale, en fait. Hein. Ils ont tous contribué à leur façon. Allez, parce que c'est toi et parce que c'est un exercice difficile, allez, je te laisse deux rencontres, deux personnes. Ah bah, de toute façon, donc française d'abord. Bah, comme tu veux, une française, une étrangère, choisis. N'essaie pas de gagner du temps, François. Bah d'abord, dans mon itinéraire professionnel, le triumvirat basque, Jean-Étienne, Bernard Pascasio, Dominique Larech, c'était très important pour moi. Je remets la photo de ceux que tu es en train de citer, hein, Dominique Larech, Christian Bonardi, Hervé Fressino, Bernard Pascasio et Jean-Étienne Lafitte. Qui est souvent revenu dans les commentaires et il y en a beaucoup qui pensent à lui en ce moment, grâce à toi. Ben oui, Jean-Étienne, de toute façon, il était, c'était un saint laïc qui était en mission, il était en mission jusqu'au bout, enfin, c'est un exemple incroyable pour nous, c'est une source d'inspiration, voilà, une rencontre majeure. David Ledbetter, John Jacobs, bien sûr, c'était des rencontres qui m'ont donné, comme un joueur de golf est inspiré par des champions. Il a envie, selon les générations, de ressembler à Tiger Woods, ou avant c'était Ballesteros, ou Faldo, enfin avant c'était Nicklaus. Et par conséquent, bah, dans l'enseignement c'est pareil. Ce sont des stars de l'enseignement qui, quand on enseigne, quand on entraîne, nous donne envie je me souviens de David Ledbetter. Donc du coup, quand moi je suis rentré à la Fédé, la fédération avait un contrat avec David Ledbetter et mon travail c'était d'être le moins mauvais répétiteur possible de David Ledbetter. C'est-à-dire lorsqu'il faisait des stages, je prenais des notes, il s'assurait que j'avais bien compris, que j'allais pas dire trop de bêtises quand je serais avec les joueurs. Et je prenais la précaution, c'était la moindre des choses avec les joueurs, de ne pas me prendre pour autre que j'étais. C'est-à-dire, je disais pas, lorsque je reprenais des points de travail qu'avait précisé Ledbetter, je précisais préalablement que souviens-toi ce que t'as dit David, regarde ce que t'as dit David. De manière à ce que, et ça, dans le fond, contribuait aussi à leur donner confiance en moi. Ils ne se sont pas dit, tiens, pour qui se prend-il? Et par conséquent, j'ai beaucoup d'admiration. Ledbetter, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a contribué, je pense, à mettre sur l'avant-scène l'enseignant, le technicien, à égalité, je dirais, avec les joueurs. Bon, après. Ça me fait penser à une remarque que j'ai trouvée très amusante de Sam Snead, à qui on demandait que pense-t-il de Faldo, que pensait-il de Faldo, qui était donc à ce moment-là, qui travaillait avec Ledbetter, et il a dit overcoached.
Donc là, tu as pour les rencontres, et c'est difficile hein, de choisir, hein, puisque mais tout au long de cette heure que nous avons passée ensemble, tu as cité beaucoup de rencontres, aussi bien au niveau des coachs français hein, dont je viens de remontrer la photo. Tu as parlé aussi des joueurs que tu avais eu à coacher, des grands coachs mondiaux. Tu as cité aussi ceux avec qui tu avais travaillé. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu as mis en avant des qualités aussi bien d'apprentissage. On revient sur ton bouquin, tes fiches, tes conceptions. Et tu nous as fait découvrir tes qualités d'enseignant. Et je vais les énumérer. Attention, parce que je vais te demander un exercice encore plus difficile. Et là, ça sera peut-être les derniers mots, hein. Je te laisserai évidemment le dernier mot. Tu nous as parlé de l'intelligence d'écouter et de savoir s'entourer des autres. Ça, c'est évident, hein, les rencontres. On a bien compris avec ton expérience à Valcro l'humilité et l'importance de la modestie et avoir le recul de comprendre ce qu'il nous reste encore à apprendre. On l'a vu, hein, puisque tout à l'heure tu en as fait les blagues, l'humour. Pour ne pas se prendre au sérieux, bien que tu sois sérieux. Tu as dit qu'il fallait être un guide, un accompagnateur vers l'autonomie, un facilitateur et créer un climat bienveillant et sans jugement. Tu nous as parlé de la capacité d'adaptation aux spécificités de chaque élève. Et je le sais, tu as contribué au golf pour les gens handicapés, ce qui t'honore. Et puis être positif et être quelqu'un de motivant. Dans toute cette liste de qualités que tu as et que tu nous as fait découvrir ce soir, laquelle est pour toi la plus importante et que tu auras envie qu'on garde de l'entretien qu'on a eu ce soir? Alors, est-ce que je peux revenir sur les handicapés? Allez, 2 minutes, on te laisse 2 minutes, Oui, oui. parce qu'on m'avait demandé d'intervenir dans une journée handi-golf, handisport, sur le golf handicapé. Et en fait, j'ai choisi un sujet. En général, quand on enseigne le sport, par exemple le tennis ou un autre sport, forcément, quand on a affaire à quelqu'un qui est handicapé, on fait des ajustements par rapport à quelqu'un de valide. Or là, j'ai délibérément choisi les handicapés comme modèle pour les golfeurs valides, c'est-à-dire des champions sur une jambe, avec un bras. Par exemple, dans Search for the Perfect Golf Swing de Cochrane, qui était un bouquin très très important dans les années 70, de recherche, où il y a une mine d'informations. Ce bouquin, donc, qui a été rédigé par des biomécaniciens, des professionnels, etc. Les modèles qui sont proposés, ce sont deux handicapés des Wallham golfeurs, qui ont été Wallham champions, qui étaient droitiers, qui n'avaient plus que le bras gauche. Donc, du coup, ils étaient choisis comme modèle géométrique du swing. Donc, du coup, moi, je me suis servi de quelques modèles dans le pôle, par exemple Dos Santos, qui est un quelqu'un que tu connais, que tu Ouais, cites, oui, bien voilà, sûr, hein. qui est assez remarquable. Et par conséquent, je m'en suis servi comme d'un modèle qui a été très important dans l'évolution d'une joueuse du pôle par rapport à un certain nombre d'éléments sur lesquels je voulais attirer son attention, la faire travailler, et elle ne regardait pas quelqu'un d'autre que Manuel Dos Santos. Et ça l'a vraiment aidé c'était une fille puissante, mais qui avait une puissance en elle inexploitée, et ça l'a aidé, dans le fond, c'était un élément déterminant. Donc voilà. Les qualités, je dirais l'enthousiasme basque, qui n'a pas été mentionné, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis au savoyard de mon père et breton de ma mère, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai parmi mes fils spirituels, j'ai pas dit naturels, hein, Éric Vanier et Jean-Pierre Marzel, qui sont l'un et l'autre au savoyard et breton, avec lesquels j'ai partagé des choses très importantes au centre de formation, mais aussi à l'académie. Ils m'apprennent beaucoup, hein, c'est-à-dire qu'ils me permettent de rester jeune. Lorsque j'ai envie de continuer d'évoluer, ben je leur téléphone ou je les vois. Donc c'est quand même très bien. Et enthousiasme basque, parce qu'évidemment, j'ai eu de très bons amis qui n'étaient pas basques, les frères Damiano, évidemment, qui ont été des sources d'inspiration pour moi. Michel, malheureusement parti. Roger, qui est un type tout à fait extraordinaire. Mais évidemment, le triumvirat basque,
qui est pour moi vraiment Étienne un frère, Pascal Ciot et Dominique Larèche aussi. Et du coup, les jeunes générations, Etchenik, le Kona tout à l'heure, le Konya, tiens, ça me fait penser, elle n'est pas basque, et j'aurais aimé dire quelque chose sur Anne Le Konya, que je trouvais en avance sur son temps, qui était très inspirée par notamment le projet 54 des Suédois, et qui m'a donné des leçons de coaching dont je me suis inspiré ensuite. Ça a fait partie de ma réflexion dans la rédaction des fiches lorsque j'ai essayé d'éduquer les jeunes du pôle à l'autonomie, à l'entraînement. Alors, j'aime bien parce que j'ai Tiger Kawet qui, je suis en train d'afficher le commentaire. Il fait, ça fait longtemps qu'on a passé les 2 minutes. Oui, mais voilà, François est un invité un petit peu chouchouté, je l'avoue. Et donc, je lui permets quelques excentricités. Voilà, les autres, ne soyez pas jaloux. François, je vais te, c'est la coutume. Comme tu es mon invité, je vais te laisser le mot de la fin. Et ensuite, moi, je saluerai juste nos internautes et je leur donnerai rendez-vous pour demain à 17h pour parler des nouvelles technologies. Et on aura le représentant de chez Flyscope, mais pas que, puisqu'il s'occupe aussi des formations et de focus band. Voilà, donc il y aura plein de choses demain sur les nouvelles technologies. Avant de clôturer cette émission de ce soir, je te laisse le mot de la fin. Quel serait-il? Alors, puisque demain il sera question de nouvelles technologies, je rappellerai que pour moi, la nouvelle technologie, lorsque je coachais, c'était la caméra. Et par conséquent, la caméra, là aussi, j'ai évolué dans ma pratique de la caméra. C'est-à-dire, je me positionnais notamment sous l'influence de David Ledbetter avec un modèle, et par conséquent, l'élève qui ne savait pas par définition, je lui montrais le modèle pour qu'il s'en rapproche. Et par conséquent, mon utilisation de la caméra à ce moment-là était souvent critique pour ce que je considérais comme étant de bonnes raisons. Et puis en fait, ensuite, je me suis dit, mais non, l'élève doit savoir. Il doit savoir comment travailler, il doit savoir quand il fait bien, donc il doit devenir son propre modèle. Par conséquent, j'ai commencé à la fin de mon itinéraire dans le pôle à filmer, à ne prendre la caméra que quand les jeunes travaillaient bien, quand ils faisaient de bonnes trajectoires, quand ils faisaient de bons swings, de manière à ce qu'ils se constituent leur propre cassette, de manière à ce qu'ils associent de bonnes sensations, de bonnes images, de bons résultats, de bonnes gestuelles à un bon travail. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose que j'ai fini par comprendre. Et je dirais que c'est vrai de tous ces instruments modernes. Le premier auquel j'ai été initié, c'était le Samlab Putter. Donc, du coup, tout de suite, j'ai essayé d'expérimenter des grips. Je me suis rendu compte, par exemple, que le Samlab indiquait, lorsque je prenais le grip prothèse de Bernard Langer, après qu'il ait été victime de yips, je ne sais pas si tu te souviens, avec la main droite. Ouais, tout à fait. Et puis, quand il est revenu sur le circuit, il a pété comme ça, il est devenu le meilleur putter du circuit. Et donc, j'ai vu que le Samlab disait zéro effet de rotation de la phase de club. Je me suis dit, mais c'est gênant. Donc, il y avait, selon les grips, des caractéristiques qui apparaissaient. Et donc, du coup, je me dis, pour un enseignant, pour un technicien, c'est intéressant d'expérimenter, là encore, et de voir ce que ça peut apporter comme exercice. Et puis, moi, mon idée, c'est que ce n'est pas le matériel qui enseigne, c'est bien nous. Et par conséquent, je pense que sur ce matériel-là, il faut y aller quand on est en place. Le Samlab, ce qui m'intéressait, c'est que j'étais dans une période où je putais plutôt bien. Donc, je voulais savoir quelles étaient les caractéristiques de mon putting à ce moment-là, de manière à ce que quand ça irait moins bien, je puisse y retourner pour me rendre compte quel est le paramètre qui n'était plus en place. Et je crois que c'est comme ça que font les professionnels quand ils vont sur le Trackman ou quand ils l'utilisent. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, puisque tu voulais le mot de la fin, ce sera un lien peut-être. Alors, merci François. Alors, vous l'avez compris, hein, c'était le mot de la fin le plus long que l'on ait eu dans cette émission. J'espère pendant cette interview vous avoir fait
découvrir pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et puis, j'ai vu, hein, évidemment, beaucoup de pros à qui ça a fait très plaisir de revoir François, qui le connaissait bien. Donc là, ça n'était pas une découverte, mais plutôt des retrouvailles. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous présenter un passionné, passionnant. Et c'est sur ces mots que je conclurai cette interview pour ce guide vers l'autonomie du golfeur. Un passionné, passionnant. Allez, bonsoir à tous et nous on se retrouve demain à 17h.